سنة 2000 هذا المتعلق بالانتخابات المحلية، المتعلق بالانتخابات الشرعية، أول مرأتين وصلتا للبرلمان كانت 1993، وكلا كما نعرف هاد النساء اللاتي وصلنا للبرلمان لأول مرة. وهذا وبعد ذلك كان هناك اعتماد مجموعة من التدابير سكون أبي لزاكسون أفيرماتيف ولا لزاكسون دو ديسكريميناسيون بوزيتيف. Moi, personnellement, je préfère les actions affirmatives parce que ce n'est pas une discrimination. Mais je m'en suis d'abord l'Ijabia, qui est la Ihra Watania, qui a été une Ijabia en 2002 et qui a été 30 منتخبات في البرلمان في 2002. ونجحت 5 نائبات في الفوز في اللوائح المحلية، وبالتالي شكلنا 11% من مجموع أعضاء مجلس النواب مصوت عليهم بتاريخ 20 شتنبر من 2002. Vous organisez aujourd'hui un débat sur la participation de la femme dans le domaine politique. Quelle est la situation actuelle de ce rôle ? Alors, effectivement, à travers ce débat, le Connecting Group veut s'inscrire dans son rôle et sa mission, qui est celle d'avoir plus de femmes dans des postes de décision. Et pendant ce débat, on va essayer de débattre de la position des femmes dans des instances politiques cette fois-ci. Et bien sûr les instances politiques décisionnelles. Aujourd'hui, à travers les statistiques, on voit, malgré la constitution 2011 et malgré que le Maroc a ratifié un certain nombre de conventions, les indicateurs restent en dessous de ce qu'on veut, nous les femmes. À titre d'exemple, pour ne donner que l'exemple du MENA, on ne dépasse pas les 19% comme représentativité féminine au niveau de la zone MENA. Au niveau de la zone du Maghreb, la représentativité dans des instances politiques, que ce soit la première chambre ou la deuxième chambre, ne dépasse pas les 19%. Aujourd'hui, à travers la convention du CEDAW, il faut absolument qu'on arrive à 30% au niveau de la représentativité au Parlement. Donc il y a du chemin à faire. D'accord. Justement, pour les partis politiques, quel message allez-vous leur adresser? Parce que la représentativité de la femme chez eux, mais au niveau des directions, est assez faible. Effectivement, les partis politiques ont un rôle à jouer là-dessus, parce que c'est la base de la représentativité, c'est l'encadrement politique. Et aujourd'hui, on interpelle l'ensemble des partis politiques pour qu'ils donnent plus de chance aux femmes, la femme soit mieux représentée, et leur dire qu'aucun modèle de développement ne réussira pas si on n'a pas une implication effective des femmes dans la prise de décision, notamment au niveau des programmes politiques. Est-ce que des lois, par exemple, de promotion dans les lois électorales, ça suffit pour que la femme puisse jouer davantage son rôle? Écoutez, on a un arsenal juridique qui est assez important, qui est très avancé par rapport à nos voisins aussi. Et je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des textes de loi et des décrets d'application. Il s'agit aussi de jouer sur tout ce qui est culturel, tout ce qui est stéréotype. Il faut aussi jouer sur les femmes elles-mêmes et leur dire qu'aujourd'hui, votre pays a besoin de vous et vous n'avez pas le droit de rester derrière. Est-ce que vous allez faire une campagne auprès de certains partis politiques, notamment le PJD? On fera une campagne, quel que soit le parti politique. Aujourd'hui, si on est ici et on est en train de débattre comment se préparer pour les élections 2021, c'est effectivement pour préparer un plaidoyer qu'on va soumettre à l'ensemble des partis politiques. Comment ces obstacles, on peut les définir, on peut les identifier? Oui, on peut les identifier, ils sont pluridimensionnels. Il y a des obstacles qui sont liés à la nomenclature juridique et institutionnelle. Ça veut dire qu'on n'a pas des lois très avancées qui permettent une bonne représentativité des femmes. On a des systèmes de quotas qui n'ont pas une force obligatoire, qui ne permettent pas vraiment le seuil critique de 30% établi par le programme d'action de Pékin. Et on a aussi une volonté politique qui est manifestement et très manifeste dans les discours politiques, mais qui n'est pas opérationnelle, qui n'est pas effective, parce qu'on a jusqu'à maintenant 81 femmes dans le Parlement, ce qui est au-delà des 30%. Et on a aussi des femmes dans les communes qui sont très, très peu représentées. Ils sont représentées par les actions d'affirmation positive, mais ils ne sont pas représentées directement, puisqu'on a moins de 0,3 femmes qui sont élues directement. Ça pose une grande question, si vous permettez, ça pose une grande question, le pourquoi de la
la chose. Et là, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur juridique et institutionnel, mais il y a aussi le facteur culturel. Il y a une persistance, une résistance des mentalités à la représentativité des femmes. Et là, c'est beaucoup de facteurs qui jouent. On s'engage en direct avec des partenaires comme les Connecting Group International, comme aujourd'hui dans cette conférence, de renforcer d'abord la capacité des femmes, mais tout en base aussi le coaching pour la confiance de mettre leur, en fait, le pied par terre. Et la troisième chose, il faut donner l'opportunité et encourager les femmes à revendiquer leur place dans la société.